Et yo les gens, c'est Holy Shift, j'espère que vous allez tous bien. Oula, pardon, excusez-moi. Holy Shift, ouais, mon profil de jeu, je sais pas pourquoi, c'est devenu mon logo, c'est devenu un hamburger, j'ai des chiffres après mon pseudo, je sais pas pourquoi. Donc bref, on s'en fout. Là, je vous présente un nouveau Troll Face Quest. Ça fait longtemps que je vous en avais pas fait. Et franchement, j'adore les Troll Face Quest. Je pensais qu'ils allaient plus en refaire, mais en fait, ils en ont fait deux nouveaux, dont celui-là et un autre que je referai. Que je vous montrerai dans plusieurs jours. Je sais pas encore dans combien de temps, mais plus dans plusieurs jours, ça c'est sûr. Donc voilà, on va faire Troll Face Quest classique. En gros, d'après ce que je sais, il y aura des niveaux qui se passent sur comme ça et tout. Je vais essayer de faire. En 6 niveaux, c'est un peu court, donc je vais essayer de faire 12 niveaux minimum. Et cette fois, c'est des chapeaux à débloquer, c'est pas des. C'est plus des... Je sais même plus ce qu'on débloquait avant, mais c'est différent, quoi. Ciné Troll, plus de jeux dont vous voyez, il y a... Pour réinitialiser, il y a des... Trouve 10 chapeaux pour débloquer le niveau secret. On va pas tous les trouver, puisque les chapeaux ne se trouvent pas dans tous les niveaux. Donc voilà, on commence, c'est parti. Alors d'accord, nous avons un grand trou. Touche. D'accord. C'était quoi ce screamer-là? Déjà fini. Eh hey, mais pourquoi les premiers niveaux de Troll Face Quest ils sont trop faciles? Je comprends pas. Nanana, d'accord. Qu'est-ce que c'est que ce... Ça va trop vite! Ça va trop vite, ça va trop vite! Je ne comprends pas, je ne comprends pas! Pourquoi? Pourquoi c'est rapide, putain? Donc là, 11h15, 11h15. Alors. Non, je sais pas pourquoi, il fallait faire quoi. Ah, d'accord. Attends. Attends. Putain, le chapeau. En fait, j'ai appuyé sur le chapeau depuis tout à l'heure. Je me disais, est-ce que c'est le vrai chapeau ou c'est le chapeau indicatif? Mais en fait, qu'est-ce qu'il faut? Ah. Attends. What the fuck? Indice, d'accord. What the fuck? Depuis tout à l'heure, j'appuyais sur le truc, mais en fait, ça a changé d'endroit. Je sais pas, je comprends pas. C'était quoi ce niveau-là? Donc, ok, il y a un char. Fallait faire exploser le char. Non, pas du tout. Pas du tout, casse-toi la pub. Alors, ouais, c'est des niveaux classiques. En gros, c'est des trucs qui se passent dans le passé, je suppose. Alors, attends. Ah, je pensais que ça explosait quand j'appuyais, mais en fait, non. Très bien. En fait, fallait juste appuyer sur le char pour le faire voyager à pied. Bah très bien. Très bien, tout va bien. C'est pas plus... Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il y a des oiseaux partout? Et pourquoi son pénis, il est dans ce sens-là? Pourquoi il va mettre le rectangle dans ce sens-là? C'est chelou quand même. Il fait quoi avec ses bras par rapport à son pénis? Je comprends pas. Je suis perdu. Franchement, je vous dis, je suis perdu. Fallait le brûler comme ça. Non, c'était pas ça. Très bien, fallait pas le refroidir non plus. Donc, est-ce que ça aurait un rapport avec l'oiseau? Je me le demande. Il n'y a pas de rapport avec l'oiseau. Est-ce que j'essaie de taper un peu partout pour voir? Est-ce qu'il faut taper son rectangle? Non. Parce que l'oiseau, en fait, il voit un peu son pénis, mais il s'en fout complètement. Attends. Ah, j'ai essayé d'appuyer sur les deux en même temps, mais ça marche pas. Ah, d'accord, je sais pas, j'ai appuyé sur le rideau. Il y a le robinet secret. Adieu l'oiseau, on va te brûler. Ou le refroidir, je sais même pas si c'était de l'eau chaude ou de l'eau froide, je sais pas. J'en sais rien, mais tant pis pour toi l'oiseau. Ah, 6ème niveau, on en a la moitié déjà, le chapeau. Waouh, on a un chapeau sur 10, c'est magnifique. Attendez, mais il est sous l'eau là. Ah ouais, mais en fait avec les couleurs de noir et blanc, tout ça, en différentes teintes. Genre j'avais du mal à distinguer que c'était de l'eau en fait. Je vais pas taper directement sur le mec. Très bien, il respire. Ah, très bien. Genre, normal, il y a ça dans l'eau. Mais imagine... Non. Merci l'achievement, ça fait plaisir. Mais imaginez... La mer, sans la mer, genre on se balade directement au fond de l'eau sans qu'il y ait de l'eau. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça serait quand même
ça serait stylé quand même de voir quoi, ce que ça donnerait. Bon, il y aurait des poissons morts partout parce qu'ils auraient plus d'eau pour respirer, mais ça ferait un effet chelou quand même. Enfin, genre, j'aurais kiffé voir ce que ça donne. Par contre, ah, c'est marrant ça. Le rire très malsain. C'était pas ça. Fallait faire quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Non. J'essaie de toucher à différents endroits de l'appareil photo, mais... Alors, est-ce que... Non. Non, il n'y a rien à faire, en fait. Est-ce que j'ai appuyé sur le mec? En fait, que j'appuie sur le mec ou sur la photo, ça fait la même chose, je comprends pas. Ah, faut lui fermer les yeux, en fait, tout simplement. Qu'est-ce que tu fais là, l'oiseau? Mais pourquoi ce putain d'oiseau, qu'est-ce qui s'incruste sur la photo? L'oiseau, il a fait un photo boob à lui tout seul. Le gars, vu qu'il ferme les yeux, il s'en est pas rendu compte, quoi. Donc, alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Très bien, va dans le mauvais sens. Je comprends que le canoë, ça doit être compliqué, mais quand même, tu t'es remis dans le bon sens, non? Est-ce qu'il faut ramener? Ouais, j'en étais sûr. J'en étais sûr, c'était un truc comme ça. Faut pas chercher de logique dans ce jeu. C'est vraiment... Enfin, moi, vu que j'ai l'habitude d'avoir joué à des Trollface Quest, j'ai l'habitude de comprendre qu'il n'y a aucune logique dans chaque niveau. Non. Bon, il y avait quand même aucune logique, mais j'ai pas réussi le niveau, donc ça veut rien dire. Attends. Ah, j'ai essayé de faire les deux, genre pour que le mec il attrape l'oiseau, mais ça marche pas. Ah d'accord, fallait appuyer plusieurs fois sur le bonbon. Eh ouais, vilain garnement, on a eu ton bonbon, on a baisé le game, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Eh ouais, on a terminé. Il nous reste encore 3 niveaux à faire. Pour vous montrer à peu près à quoi ça ressemble le jeu. Alors, merci le chapeau. Ah ouais, sous le chapeau, il y avait un autre chapeau. Chapeauception, mon gars. Alors, qu'est-ce qu'il va faire avec l'oiseau? Ah ouais, genre il veut passer sur le portail métallique avec une armure comme ça, mais le mec il veut se faire massacrer par la sécurité. Ah. Attends. Il y a un truc avec les boutons, j'en suis sûr. Non, rien à voir. Est-ce que... Attends. Il y a un truc à faire avec le tapis roulant. Ça j'en suis sûr. Il y a un truc à faire avec ça. Ah, je sais pas. Tu sers à quoi l'oiseau là? Tu veux pas m'aider à trouver la solution, non? Attends. Ah, attends. Est-ce qu'il faut le faire pendant que... Non. Non, il peut pas taper dans l'ordi pendant qu'il passe le truc. Ah ouais, c'est pas con. C'est pas con, mais... J'utilise les indices parce que là je comprends vraiment, mais vraiment rien. Ça c'est ce Trollface Quest, il est vraiment plus dur que le. Je crois que c'est le plus dur que j'ai testé, franchement. Même dans les précédents, j'ai pas autant utilisé d'indices, quoi. Alors, très bien. Ok, merci le missile. Le mec il est intervenu comme ça. Et le chapeau, on a le chapeau. D'accord. Dans tous les cas, il y a un truc qui va nous exploser à la gueule. Est-ce que. Non. Faire reculer la voiture dans l'autre sens, ça ne marche pas. Non. Voilà, je redresse ma tablette. Alors, est-ce qu'il y a un truc à faire avec les cactus? Non, bah déjà, le mec, pourquoi il est au milieu du parc? Et il y a un obus qui lui fonce dessus. Je sais pas pourquoi. Alors. Ah, est-ce qu'il faut taper sur l'obus avant qu'il nous atterrisse dessus? À moins que... Non, j'ai rien dit. Ah ouais! Il fallait appuyer simultanément. Non. En fait, il fallait s'arrêter. Hop, tu t'arrêtes. Et c'est tout. Non, c'est pas tout. Est-ce que si je m'arrête juste devant... Bah, je fais comment? Dans tous les cas, il meurt. Et c'est ça que je comprends pas. Ah d'accord, fallait swipe, fallait glisser la mine vers le bas.
Waouh. Et c'est tordu, mais il y a des solutions, c'est tellement con, t'es incapable de les trouver. Enfin, je suis incapable de les trouver. Pour le... Alors, il y a le dernier niveau de ce Troll Face Quest. Alors. Très bien. Si on appuie sur lui, il lâche les cordes. Et déjà, le mec, il est complètement malade. Il veut faire. On dirait un mec qui veut faire un tour de magie à un autre mec. Et le cobaye sent que ça va être foireux. Tu vois sur sa tête toute la détresse. Est-ce que il faut faire un truc? Non, si on touche la chaise du mec, ça marche pas. Est-ce qu'il y a un truc à faire avec le toit? Non. Non, il n'y a pas de truc à faire avec le toit, ça marche pas. Ah, l'oiseau! Ah bah, il est tombé dans le bon sens. Bah voilà. Niveau 1, 7 à 12 completed, je me doutais de la carrière et l'achievement. Donc voilà, ce jeu c'était vraiment du n'importe quoi complet. J'ai pas tout compris à tous les niveaux parce que bon, certes c'est un Troll Face Quest classique, genre ça se passe dans le passé, genre les graphismes, tout ça, genre le truc en noir et blanc, enfin en échelle de gris on va dire. J'ai pas tout compris, surtout le fait qu'à chaque fois pourquoi il y a des oiseaux, enfin quel oiseau, ça se trouve c'était des pigeons, je sais pas quel type d'oiseau c'était. En tout cas ils étaient bien moches d'ailleurs. Tout est un peu vulgarisé dans Troll Face Quest. Vulgarisé, je veux dire. Les dessins sont un peu faits. Comment dire, c'est pas de l'art appliqué non plus. Ça se sent que c'est un jeu fait exprès pour troller. Quoi. Donc, voilà, si vous avez compris quelque chose, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Parce que moi, j'ai rien compris à l'intérêt des niveaux. Mais c'était quand même marrant. J'ai bien aimé, c'était drôle. C'est du Troll Face Quest. C'est forcément marrant. C'est absurde. C'est de l'humour absurde. Faut aimer l'humour absurde. Donc, voilà, bah moi j'espère que ça vous aura plu. Je vous retrouve dans une autre vidéo très prochainement. Et d'ici la prochaine fois, portez-vous bien. Allez, ciao, ciao.